gros labos de nos dotanes sur le pavé des maladresses. Ça fait branler la petite cabane. Un jour faudra changer d'adresse. Y'a un brouillard carabiné, mais on a de l'aplomb dans les ailes. Des graphonies sous nos bérets et plusieurs arcs à nos ficelles. On a les dents dans la poussière, les yeux rivés sur le futur. Faut pas se tromper d'itinéraire, faut fuir les chemins de la sinécure. Passage droit sur un réservoir, on a le derrière qui nous brûle. Des alouettes dans nos miroirs, mais plus on avance et moins on recule. Il y a dans les albums des souvenirs de chaleur qui se font en stalactites quand l'amour se fait là. Des oiseaux bleus volés au berceau de nos vies. Quelques peluches aimées mais qui ont mal fini. Et des petits poussets aveugles dans les bois. Et des bruits de cristal quand ça vole en éclats. Une rencontre, Franck Angélique, une rencontre qui va chercher loin dans le temps, puisqu'on s'est connus petits au Maroc. On s'est à Casablanca. À l'école. Voilà. Petit. Il arrivait quelquefois, comme ça arrive aux petites filles, je sais pas, il y en a dans la salle, que ma maman se fâche après moi. Ça vous arrive à vous aussi des fois? Ouais. Même les petits garçons, je suis sûre. Quand ma maman sera petite, je mettrai du Noël devant sa cheminée. Une grande poupée de cire pour ses petits souliers. Une belle histoire de prince pour tenir éveillé. Une histoire de maman pour ne pas tout lâcher. Et quelques illusions, pas désillusionnées. Quand ma maman sera petite, je l'emmènerai au spectacle. Et puis aux champignons, mais avec ta guitare, j'y chanterai des chansons. Je lui prendrai pas la tête pour son éducation. Je brandirai pas à l'enfer comme une damnation. La rencontre qui est aussi une rencontre d'un auteur et d'un musicien. Donc effectivement, des mots et de la musique. Et c'est à peu près aussi simple que ça. Ouais. Des mots et de la musique, et de trouver une cohérence, ça c'est l'enjeu de la création, entre ce que le texte raconte et ce que la musique va raconter. Rendre-le, et puis tant de ses âmes, mais qui ne s'ouvrent pas, il faudrait... Ahmed dégage des choses comme ça dans son environnement, c'est pour ça qu'il a, il occupe une place centrale sur la scène, tu vois. Pour qu'il s'envole haut et ne retourne pas. Aussi cette interaction dans le passé et dans un ailleurs fait qu'effectivement cette musique-là se retrouve dans par exemple Monomade, effectivement c'est un morceau qui est assez arabisant, très arabisant, voilà. Mais qui n'est pas seulement qui est pas une spécialité orientale, c'est un clin d'œil à l'Orient. Monomade pour nommer la peau de nos rivages, mots absents retrouvés dans les coffres corsaires, mots serrés sur le cœur, croix de bois, croix de fer, mots galets qui se roulent au torrent de l'oubli, mots des feuilles déchirées, mots de temps à refaire, mots jaloux qui se jouent. On travaille la scénographie, l'occupation de l'espace, les déplacements, l'interaction entre les différents musiciens. T'es obligé d'envoyer les chèvres tout de suite ? Pas du tout. Ah bah prends un peu plus de temps. Vraiment un travail de respiration. On va faire ça aussi parce qu'elle fait la mer, alors moi bon, je me mets sur la plage, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que paroles et musique sont entremêlées et que chacun de nous quatre sur scène sommes au service du même propos dans une cohérence visuelle pour le public. Alors, en général, je dis au kilomètre, Franck prend des notes en sténo et après il synthétise en général, et il écrit. C'est, ce qui se j'écris, c'est comme ça que ça se passe, le travail entre nous. Tu vois, voilà. C'est pour ça que c'est très complémentaire. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le travail. Donc, je dis au kilomètre et après, lui, il coupe, il fait le travail donc, de montage. Donc, tu vas couper, toi. Vous allez couper. Il fait le montage du propos. Il faisait plutôt soleil sur la plage de sa page. Elle a cédé au sommeil, longueur de passage.
à l'approche du crépuscule, une esquisse d'un sourire vint contempler incrédule l'ingénieux dormir. Prévenant-il la couverte avant que le vent l'étreigne de ses lèvres entrouvertes sans qu'elle s'en plaigne. Je passe à la télé. Bonjour maman. Bonjour à la famille. Vous voyez, j'ai réussi. Je passe à la télé maintenant. Et ça.